Allez, reviens. Viens, on fait ça, on fait un verre de terre. Viens le voir, il est mignon. Viens. Salut à tous. Comment dire? On n'est pas encore en été et pourtant, Amantine, voilà, on a fait casse la tête aujourd'hui, elle a gonflé la piscine. Maintenant, on essaye d'installer un système pour que l'eau chaude coule dans la piscine. Parce que madame, évidemment, elle veut une piscine d'eau chaude, on s'en doute. Qu'est-ce que tu fais, Amantine? Tu vois quelque chose? T'as vu des poissons? Non, c'est l'eau d'une piscine. L'eau va-t-elle sortir du tuyau? C'est ce que vous allez savoir dans moins de 10 minutes, on espère. Non, toujours pas. C'est normal parce qu'il faut délier. C'est parce qu'il faut délier le truc. Parce que là, il est pas assez. C'est pas bon là. Il a... Ah, ça coule. Mais là, c'est de l'eau froide. Hein. Elle est cool la vie en mode confinement jardin. Et on a sorti la table de ping-pong. On a essayé d'ouvrir notre piscine, mais bon, on a fait un trou dans le jardin. Enfin bon, bref, c'est la folie. C'est la folie, on est bien. On pense à vous aussi. On sait que pour certains, c'est plus dur. On essaye de vous donner un peu du baume au cœur à travers nos images de joie. Ça coule ? Non, toujours pas. Est-ce que ça va marcher, Nénette ? Ouais, la douche, elle marche. Douche d'eau chaude, ça marche. On a relié le tuyau, là. Regardez, à l'évier qui est à l'intérieur. C'est merveilleux. Après, il faudra juste ranger tout ça, mais pour l'instant, elle est sous la douche chaude. Franchement, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour amuser les enfants? C'est chaud? Ça coule chaud? Ça coule chaud? Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça va, t'es contente ma puce? Ouais. C'est cool. Tu prends un bain chaud dehors. Attention au chaud avec débit maximal. Bon, maximal, mais c'est quand même pas mal hein, ce qu'on a fait. Moi je suis assez fière. C'est moi qui l'a gonflé. C'est toi qui as gonflé la piscine déjà, ouais, ça c'est vrai. Eh hey, mais qui voilà? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Punaise. Et ouais. C'est chaud en plus. Bah oui, c'est chaud. C'est ça qui est bien. Non, j'ai rien dit, c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est super bien. Première piscine à eau chaude. Ouais, première piscine à eau chaude. C'est moi qui l'a gonflé. C'est Amantine qui l'a gonflé. C'est moi qui l'a gonflé. Et on a trouvé aussi un système incroyable de douche branchée sur, l'évier de la cuisine. Alors là, franchement, je m'épate moi-même. C'est cool, moi aussi je vais finir par y aller. Hein. Arrête! On enlève ça et ça, et on laisse couler comme ça. Non, en fait, on... Mais non, arrête! Tu vas tout nous enlever tout notre système, là. Arrête, deux secondes. Elle est bonne? Elle est vraiment bonne? Oui, elle est très 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 bonne. Ah ouais, elle est bien chaude, ouais. Ça c'est cool. Bien chaude. Alors, pas besoin de brancher parce que regardez, c'est le système des vases communicants. Là, on est en train de remplir le pédiluve. Et en fait, regardez tout le circuit. En fait, le tuyau est bien entremêlé, mais ça change rien. C'est ça qui est vachement bien dans notre système. Je dis à tous les parents qui nous regardent, en fait, ce système, il est top. C'est juste la maison la plus dégoûtante de la terre, mais on s'en fout. Voilà. On suit le tuyau là. Alors j'ai mis une bassine, voilà, pour bloquer le tuyau pour pas qu'il se relève. Et donc je fais couler de l'eau chaude. Voilà.
Et par le système des vases communicants, bah du coup, l'eau, elle circule même avec les nœuds qu'on a dans le tuyau, voilà. Donc, avis aux parents, c'est un système qui marche plutôt bien. Alors, bien sûr, il faut bloquer le siphon de l'évier, mais c'est plutôt pas mal. J'ai regardé sur le net le principe des vases communicants, et voilà. Et dans ma très grande intelligence, et comme vous me connaissez bien, je suis super forte pour ce genre de truc. Donc, voilà. J'ai créé une piscine d'eau chaude en mode confinement. On apprend des choses pendant le confinement, c'est un petit peu le principe. Hein. Moi qui étais nulle pour ce genre de truc, eh bien j'ai un petit peu progressé. J'ai fait des progrès. Regardez, ils sont déjà en train de s'engueuler. Malgré la piscine, malgré tout. Bon, j'ai l'impression qu'ils se calment un petit peu. Là. Par contre, je n'ai pas géré le débordement. Est-ce qu'on pouvait mettre de l'eau encore, s'il vous plaît, dans le... Oui, si. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et je pense que vous allez devoir sortir parce qu'il fait un peu froid là quand même. Hein. Non ? Mais qui c'est qui a pété là ? Allez, pars là ! Attention, si on fait des bruits de paix, il y a la grosse crotte qui va arriver. C'est bon, on l'a enlevé de la piscine là. C'est bon, il y est plus. Pas du tout, il y est toujours. Mais non, je t'assure, il y est plus. Non, reste de voir, donc arrêtez. Mais je t'assure qu'il y est plus. Je le vois plus. Je le vois. Bon, donne-le-moi, Fantin, donne-le-moi. C'est bon, allez, il s'en va. Il s'en va. Regardez, vous le voyez bien. Arrête! Ah, y a pas d'arrête dans le poisson! Il est où? Non, il est où? Bah, je sais pas. Attaqué par un ver de terre dans une piscine. Ah, il est là! Il est pas. Elle a super peur. Tu voulais la piscine pour toi, rien que pour toi. Donc. Merci, ver de terre, t'es mon acolyte. Ouais, on l'a enlevé, je te promets. Oui, c'est bon! Il y est plus, regarde! Il y est plus. On l'a enlevé. Arrête de voir! On va le mettre comme ça. Je vis ta piscine, je vis ta piscine. Arrête, mais j'y suis pour rien, mais arrête de me bousculer. Je veux que je rentre. Mais y a plus rien là, y a plus rien. Mais stop, mais elle est folle, mais elle est folle. Pauvre ver de terre, allez, vas-y, remets-le dans la terre. Remets-le dans la terre, il va se noyer à force. Ah, il est mort. Non, il est tout pâle. Il est tout pâle. Boum, 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 boum. Non, c'est bon, on l'a sauvé, là. Il bouge. Il bouge. Je l'ai fait du bouche à bouche. Bah. Attends. Non, il bouge plus trop, là. Ah si, il bouge.
Ouais, ici. On le voit bouger. Il faudrait le mettre sur la terre. Non, le pauvre. T'imagines le choc qu'il a eu? Bon, bah voilà, bon, bah t'es sauvé, mon petit pépère. Ah si, ça y est, tu bouges. Voilà, il reconnaît son périmètre. T'es sauvé, on l'a sauvé. Regarde, il bouge. Tu le touches pas. Hein. On a trouvé le papa. Bon, bah voilà. Il y a le papa. On a bien rigolé. Voilà, donc vous voyez, on peut faire des choses avec pas grand-chose. Si vous avez un petit bout de jardin, un petit bout de balcon, un petit bout de même de cuisine, hein, j'ai envie de dire. Ouais, vous pouvez le faire aussi, vous êtes aussi fous que nous. Vous le ferez peut-être dans votre cuisine. Gros bisous, courage pour votre confinement. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis faites des choses en famille, hein, y a que ça de vrai.